Bien quand même, Chio. Mais elle est ça, oui, non, mais elle est pas habillée. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais. Hein, Sakoya encore, ça va. Mais Alissa, hein, madame a que 15 ans, on voit quand même une grande partie de son corps qui est complètement dévêtue. Non, Chio, encore là, ça va. Bon, elle est un peu habillée avec un drapeau, mais c'est Chio. On fait la mission urgente ou la mission histoire? Comme tu veux. On va juste falloir que je refasse mon stock d'équipement. De soins. Bah, Shio, on peut dire que physiquement, en termes de taille, bah, ça, elle a pas de soutif. Hein, et Shakuya non plus. En termes d'âge, Shio, on va dire qu'elle a entre 8 et 12 ans en termes de taille. Mais alors qu'en fait, à la base, elle n'est pas humaine, Sanaragami. Donc, du coup, elle s'habitue au mode de vie. Donc, à un moment, on la voit ploter. Là, on l'a vu ploter Alissa. Elle a tapé sur les épaules de Kota. T'as posé un piège. Ouais, si tu veux. Ouais, va te préparer si tu veux. Puis elle a s'approché de ton personnage, elle lui a fait un câlin. Donc en fait, elle apprend à s'accoutumer aux autres gens, quoi. T'as encore fait planter le jeu? Non. Mais moi j'aime bien le personnage de Shio. Mais bon. Mission start. Well, mission start whenever you're Bon, ready. il y a des petits gens. Libéré. Libérez Ben et Nuts. Entre le 1 et le 2, je préfère le 1. Parce que dans le 2, il n'y a pas Sakuya. Il faut faire l'histoire des personnages pour comprendre où elle est en fait, Sakuya. Me tire pas dessus là! Ah oui, j'ai une annonce à vous faire. J'ai terminé. J'ai platiné Persona Dancing 5. J'avais que ça à faire. Ouais, je l'ai complètement explosé le jeu. Moi sur PlayStation, j'ai que un platine, c'est platine de Sly Raccoon 1. Parce que y a, en fait quand tu finis le jeu et que tu chopes tous les pouvoirs secondaires, bah t'as le platine. Merci toi. À 1h30, j'en pouvais plus. Hein. Non, déjà, 1h du matin, j'étais sur une chanson, je fais putain, j'ai envie d'aller coucher, j'ai envie d'aller me coucher. Puis je vais voir dans le social, puis il me restait juste à faire des combos de notes, enfin, d'avoir que des perfects. Je fais bon, je continue. 1h30, puis je vois que Marc-Henri avait marqué lien social débloqué. Il m'a manqué un, hein. Il m'a manqué celui de Ryuji. Ok. Elle a les romans! Non. Donc maintenant je vais faire le 3. Enfin, j'ai 21 platines. Non. 21 ou 20. Je sais plus. J'ai deux Goditeurs. J'ai Final Fantasy XV, Final Fantasy XII. Attends. Goditeurs. Les deux Goditeurs. Final Fantasy XV, Final Fantasy XII. Persona Dancing. Ouais. On en fait 5. Lego la grande aventure. Lego Batman.
Pourquoi t'as des mecs qui parlent en jap et le reste parle en français? En jap, en anglais. Bah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas compris non plus. I got you covered. Won't take but a minute. Maybe two. Erreur de piste audio? Non, parce que sur celui-là, on peut pas jouer en... On n'a pas les... Bah oui, mais c'est possible aussi. Parce que dans, par exemple, dans un jeu... Parce que des fois, dans les fichiers du jeu, tu peux avoir aussi, tu peux avoir les voix... Non, pas sur celui-là. Ça soit le 2 ou le 1 ou le 2, on peut pas avoir les voix jap. Ça, c'est un peu dommage. Parce que la voix de Sakuya en jap... Oh, putain, il touche pas tralala. Là, hein. Oh, mon souvenir. Oh mince, j'ai pas fait ça. Le bot. Oh, j'ai encore oublié le bot. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai oublié le bot. Rip le bot. Non, mais le bot il fonctionne. C'est que j'ai oublié d'enlever le message. Pourquoi j'ai un écran noir? Bah, je l'ai aussi. Hein. Charge! Moi je vais dormir, je reviens. Je crois que ça a planté. Ouais, mais c'est souvent qui plante, hein. Ah non, c'est bon, moi ça marchait. Ah. Ça a réapparu. Ouais. Oh. C'était long. Un petit peu. Ah. Au menu. Connexion. Interrompu, oui. T'as bugué. Bah de toute façon, je peux pas rejoindre la mission, moi. Ouais, mais on va devoir la refaire, ça dure. Mais c'est pas grave, ça. Pas gênant. T'inquiète, attends, je relance le jeu perso parce que. J'ai juste un petit problème. Moi j'ai quitté, hein, donc. Non, mais c'est qu'il faut que je le relance, moi, Albert. Ah, moi, d'accord. Quoi? Tu veux rigoler? Quoi? Il y a une mise à jour. Ah non. Non, ça c'est. Ça m'arrive et c'est souvent. C'est parce que je l'ai la. Ça va se promener tout seul. C'est à peine une mise à jour de ce jeu. Ce jeu est sorti il y a. Très moins de 2-3 années. Deux années. Ouais, longtemps. Je me donnerai qu'il y ait une mise à jour. Coucou, je panier, Arc. Hein, je te lancerai quand j'aurai envie. Mais là, coucou, je panier. Jamais. Bah si. C'est plomb dedans. Quand j'entends sur Arc un jour. Un peu de perte là. Trop lourd dedans. Voilà. Désolé. Non, je relance le jeu. Bah non, faut que j'aille tuer des gens sur extinction. Oh, Sora. Non, mais j'avoue que extinction il me tente trop. Bah, je l'ai. Mais... Il te tente, t'as pas joué. Mais ouais, je l'ai acheté et je l'ai pas joué. Enfin, je l'ai utilisé 5 minutes. Tu me dis quand t'as créé. Ouais, je suis en train de faire ce que je. Ah. Ouais, c'est quoi, il te copie ta sauvegarde dans le cloud, c'est ça? Pas grave, j'ai l'habitude. Pas ma faute, je suis enrubé. J'avais pas envie d'aller travailler. Ça va, t'as pas l'accent du. T'as pas l'accent du mec enrhumé. Non, ça va. Ça, c'est drôle. Non, l'accent du mec enrhumé. En même temps, je suis sous traitement. Oh, mon smash est prêt à être expédié. Oh là là, magnifique, ma chérie. Magnifique. C'est quoi cette merde? Bah je l'ai dit à moi Smash, donc perso. Magnifique. Ça me fait penser à une Christina Cordula. Ah c'est ça. Mm-hmm. Ah Smash. Non mais ma chérie. C'est trop ça. Je
Je supporte pas son ton. J'ai envie de la baffer à chaque fois que je la vois. Des gens comme ça, tu supportes pas juste la voix en fait. T'as créé? Mais bon, je l'ai planté, il est en train de se lancer. Ça, ça m'énerve quand ils mettent. Bon, j'ai ma Switch entre les mains en attendant sur. Mais bon, ça, on s'en fout. J'aime beaucoup. Vous ne pouvez pas encore utiliser ce logiciel. Voir les infos détaillées à son sujet dans le Nintendo eShop. Il sort cette nuit, minuit, une. Il était quelle heure? Il y a 7 heures, il était 10 heures? Ouais, ça doit être ça. Oh ouais. Non, je crois qu'on va faire la mission principale. La quête urgente est pas urgente. Allô? Oui, je suis là. Hein. Ouais. J'entendais plus un moment. Pourquoi? Je sais pas. Oh. C'est bon. C'est créé. J'arrête pas d'appuyer sur ma manette et ma manette elle a fait nope. Oh merde. Vous êtes intéressé par un stream de Smash Bros? Demain avant quand je rentre du boulot? Si vous voulez, je vous fais un stream sur Smash Bros. Bah moi je l'aurai donc je pourrais y jouer de ma manière normalement. Oui mais oui moi aussi normalement je pourrais y jouer mais bon, c'est sûr toi tu l'as en démat donc tu pourrais y jouer même dès ce soir c'est, dès ce soir donc, après Docteur Who voilà. Très important après Docteur Who de toute façon c'est à minuit de toute façon tu n'auras pas ça avant minuit donc. Oui bah de toute façon Docteur Who je suis pas couché avant minuit de toute façon. Il n'y a plus la mission, machin, on peut plus faire de mission. C'est pas grave. Mais non, c'est pas des sariels. Ah si. Bah ouais, non, mais si, mais il y avait des. La mission urgente, il y avait des mais sariels. Je t'ai dit que c'était pas grave pour la mission urgente. Oui, mais je te dis que dans la mission. Hein, Bah, je te clique il y a deux semaines, Flora. Que si on faisait toutes les missions annexes. Plus toutes les missions urgentes, plus toutes les missions histoire, et ben en février on y sera encore. Oh, c'est pas grave. Ah mais non, je veux faire du God Eater 3. Après, bah oui, après, c'est pour ça. Arrête de gueuler, Kota. Bah ouais, je me doute que 99% des gens vont stream. Mais c'est juste avant pour la run que je veux faire ça. Hein. Pas pendant. Hein. Je suis pas une new god. Hein. Comme ça, après, je balance mes viewers sur BLR. Même si j'en ai pas beaucoup. J'aurais fait ma bonne action de la journée. À défaut de pas pouvoir donner de sous, bah, je donnerai des bouillards. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu le The Event, j'ai quand même fait de la thune. C'est pas mal en plus, je crois. 50 balles. Ouais, mais j'étais contente. Hein. Mais en fait, j'avais oublié qu'il y avait le BLR. En fait. À la base, je devais y aller à BLR. Hein, à la base. Mais ça se fait pas. Puis je savais pas quand j'allais terminer le boulot, alors. Pourquoi? Ça aurait été compliqué au boulot en fait, parce que oui, mais... Non, mais après au boulot, ils m'auraient laissé ma journée. Ouais.
Non, non, il me... si j'avais demandé longtemps à l'avance, il m'aurait filé ma journée. Hein. Enfin, hein, du moins, mon heure de l'après-midi, quoi. Comme ça, j'aurais pris le TGV en début d'après-midi, après le service du midi. Hop là. Salut, je débarque Paris. Je vous aime. Bon. T'aurais vu les gilets jaunes. Hein? Bien souvent à Paris, il y a des problèmes avec les gilets jaunes. Ouais, j'aurais vu l'état de Paris. Bon, en fait, c'est pas ouf. J'ai été sur Paris il y a pas longtemps. C'est pas ouf. Si Paris c'est une zone de guerre, quand il y a eu des émeutes en cité, c'est ça. Non, mais je sais pas. Il faut tout un drama en fait, c'est violent. Voilà. Je lui dis d'un côté, je suis aussi bien chez moi, je crois. Quota, t'étais pas obligé de me tirer dessus. Merci. Oh là là, côté il t'a touché le cul. Mais quoi? T'as jamais joué à Comrade? À quoi? T'as jamais joué à FF15 Comrade? Non. Ah oh, bah quand tu te fais raise, bah généralement t'as Ignis qui te touche le cul. Déjà, j'ai même pas fini les questions. Ah, bon, bah voilà, quand tu te fais res, bah. Soit t'as Inès, soit c'est Gadio qui te touche le cul. En fait, y a pas de perso féminin. Ah, bah non, hein. Sylvie, elle est tellement occupée à faire du. Comment on dit? Du lavage de voiture, là. Du car wash. Avec ses boobs et son cul. M'en fous, je préfère à râler. Hein. Moi, j'aime les persos qui ont pas de charisme, je crois. C'est comme il y a moins d'une semaine, on m'a posé la question: qu'est-ce que t'aimes bien dans Tales of Berseria? Ben, en fait, Velvet. Velvet, elle est cool. Allez. Velvet, oh là là. Ouais, c'est ça, j'ai passé 70 heures dessus. Et quand je pouvais, je regardais. Berseria, j'aime beaucoup, j'aime bien ce jeu. Ah non, il est assez cool quand même, Berseria. Celui qui s'appasse moins, c'est Zestiria. Je l'aime pas, lui. Ah non, Zestiria, j'ai pas terminé, il m'a saoulé. Moi aussi, il m'a saoulé. En fait, le truc, c'est que Zestiria, ça a l'air trop. En tout cas, ce que j'en ai fait, c'était trop. Comment dire, minuche en fait. C'était trop. Trop classique et ouais, c'était pas. On va dire, c'était du JRPG ou. Bah après, ils parlent quand même d'un thème assez important. Mais je trouve qu'ils ont pas. Enfin. Sur PC, le personnage principal, le berger dans les carrières. Moi je trouve ça un imbécile heureux que le personnage. Je l'aime pas. Ils ont pas assez développé le côté du personnage j'allais dire Eren, non Eren c'est l'attaque des titans, hein. De Soré. Et ils ont pas développé non plus le côté du personnage de, par exemple, de Ezen. Pourquoi il est devenu un dragon, ça on ne sait même pas. Hein. Bah moi je le sais, on le sait maintenant, mais. Certains vont dire mais je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est Ezen. Oui, pas Ezen, c'est.
C'est le pirate malchanceux de Besseria. Pour bien résoudre. Ah. Oui, le. Comment il s'appelle? Le blond. Oui, oui, j'arrive vraiment plus de son nom. Oui, bah, c'est Ezen. Le faucheur, on a. On a ouais. Ah, Ezen. Ezen. Il y a qu'à tout le temps la poisse. Ah oui, il y a tout le temps la poisse. Lui, pour avoir la poisse, il a la poisse. Hein. Moi, je me rappelle dans une cinématique, justement, à chaque fois que. À chaque fois, tu sais, qu'il lance une pièce, il a la tête de mort. Et après, il y a le. L'espèce de samouraï de Beast là qui lui donne une pièce truquée et en fait là il jette la pièce et c'est une mouette qui chope la pièce. Ah oui, ouais, ça va, je me ça me fait marrer ça. Ah oui, ce passage, oui, je m'en souviens, j'étais là, hein. Donc, Même avec une pièce truquée, il arrive pas à faire la bonne face. La bonne face. C'est bien que c'est un poisson parfait. Non, de toute façon, j'ai pas trop besoin du thème de la déesse. Hey, are you in here, Shio? Non, non. All right, playtime's over. We have to get back to the den. I don't want to wear the scratchy thing. Still an origami, just moving on instinct. Soma? Yeah? Are you still mad at me? You were really mad before. Yeah, it wasn't you, okay? Soma, be honest. I did something that's bad, didn't I? I don't wanna be scratchy to Soma. I did something wrong, didn't I? J'ai trop envie de lui faire des câlins. Listen to you. À Shio. Could only live for a minute like you. Forget myself and forget all of this for even just a minute. I'd probably like it too much. Soma? Hmm? Do you taste good? I don't know if you Well, okay. I guess there's only one way to find that out, isn't there? Bon goût dans quel sens? Simply by virtue of being. Bah, elle se demande si elle mange. Bah, est-ce qu'il aura bon goût? Parce que lui aussi, il est considéré comme un origami. You know what, Shio? It's a vaccination to them. But those guys. They have to inject themselves with origami cells, just to have the hope of surviving. Personne veut lui faire des câlins, Shio. They're even more lost and afraid than we are. Yes, they are lost and afraid. Il y a cinématique déjà. Moi, je veux faire des câlins, Shio. Maybe they are. Come on, let's head home now. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? En fait, elle a essayé de prendre ce qu'avait Soma. Du coup, elle l'embête. Elle réagit comme une petite fille. Hein, et tire que tout le destin du monde. Tétia entre les mains du Shio. Hein? Attends. Le destin du monde est entre les mains de Shio. Ouais, mais c'est pas ça qui me fait expliquer. C'est que je trouve pas la mission. Faut c'est aller bien. Voir Sakaki parce qu'il veut lui faire des vêtements. T'as oublié? Ah oui, il faut les prendre dans son. Attends, je sais plus s'il faut les prendre dans son inventaire.
Enfin, c'est ça. Alors, t'as deux solutions. Soit on va taper de la sarriette. Ouais. Ou soit tu vas dans ton... En fait, t'as trois solutions. Pardon. Soit tu vas dans... à l'ordinateur, tu fais sortir le matériel. Oui, j'ai pris. J'ai fait. Sinon, c'était quoi la solution? Et l'autre solution, ça allait tuer de... ça allait d'aller tuer la sarrière. Et la troisième solution, c'est d'utiliser des tickets pour le faire, pour l'avoir. Ah, ok. Allô, Lika? Elle est là. Elle est où? Elle est à l'entrée. Ouais, c'est ça. Oh, Borghi! On va les taper, Borghi. Allez, coupez mon craqué. Ah, je peux la changer cette nuit, hein? Ah, chier. Ah non. Non, on peut pas changer la tenue de Chio. Oui, de Chio. Bon, alors c'est pas grave. Non. Attends, je mets une arme éclair. Il y a Borgam et il y a un Borghi et deux Congo. Hein. Ah ouais, bah ils me disent de m'équiper d'une arme éclair. Donc, ok. Ah bah excuse-toi. Hein. Pa pa pa.